Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la joie de notre Seigneur demeurent toujours dans ton cœur. C'est une grâce d'être debout ce matin. C'est une grâce d'être là ce dimanche, ce jour où le Seigneur lui-même a consacré pour lui rendre hommage, pour lui rendre toute la gloire, le prier et le célébrer. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi, le Dieu de notre salut. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, en ce dimanche où tu nous renouvelles encore tes bontés et ton amour. Seigneur, nous voulons proclamer aujourd'hui que tu es le Dieu de notre salut. Que le Seigneur Jésus, Dieu fait chair, venu habiter parmi nous, est ce Dieu de notre salut. La première lecture de ce dimanche nous dit « En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de notre salut. Celui qui est venu nous sauver. Celui qui est mort mais qui ne s'est pas arrêté là. Qui est ressuscité d'entre les morts pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, nous voulons encore renouveler notre confiance en toi, le Dieu de notre salut. Alléluia. Jésus, je viens. Je viens, tu es la vie.
Salut, la source de la vie, celui-là même qui redonne vie à tout ce qui était mort en nous. Alors Seigneur, nous voulons te confier tous ces aspects de notre vie qui manquaient de vie, tout ce qui était mort en nous. L'espoir, l'amour, la joie, afin que tu viennes, Seigneur, redonner ta vie, redonner la vie, la vigueur à tout ce qui était mort en nous. Tu es le Dieu de notre vie et tu es également le pain de la vie, ce pain que nous allons recevoir aujourd'hui à la célébration eucharistique. Tu es le pain de la vie. Manifeste-toi encore dans nos vies, Seigneur. Tu es la vie éternelle, nous venons à toi. La vie éternelle, Seigneur Jésus, nous venons à toi. La vie éternelle, Jésus, nous venons à toi. La parole éternelle, nous venons à toi, tu es la parole éternelle, nous venons à toi. Merci Seigneur, nous te confions notre journée ce dimanche. Que ton nom soit à jamais béni. Nous te confions nos familles,
nous te confions nos différentes activités encore, afin que par ta croix, nous soyons tous unis au Père. Alors bien-aimé, je te souhaite un très bon dimanche, un dimanche reposant, un dimanche dans la paix éternelle, le Christ lui-même. Et que Dieu te bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.